YouTube. C'est la suite de Persona 4 Golden. Golden. Avec le début du mois d'août. Et je serai là sûrement jusqu'à 21h passées parce que j'ai pas envie de faire une session de 2h. Opening. J'espère que le mois d'août sera excellent. Enfin, je verrai. Parce que jusqu'à présent, entre les donjons, c'est juste full social link, travail et tout. Il n'y a pas vraiment beaucoup de lore entre les mois. De temps en temps, il y a des examens. De temps en temps, il y a des petits events. Mais ouais, pas très convaincu. Un peu comme le 5 d'ailleurs. C'est un petit peu vide entre les différents jours. Voir si je peux faire des choses dehors aujourd'hui. Mais avoir de nouvelles quêtes, hein. Toi déjà, qu'est-ce que tu vends? Tu vends mon joystick qui a du mal, mais ça c'est pas nouveau. Alors, fusée encore la belle-mère. Mais je vais aller voir ce chat parce que j'ai du poulpe. Il mange le poulpe, le chat. Enfin, je pense. Ce beau soleil de juillet. Non, pas le petit chat, le gros chat. Ah non, il faut vraiment des poissons de la rivière. Alors, je sais que la jumelle, je crois que c'est elle ou l'autre, qui voulait un objet. Ah, c'est le premier jour de vacances d'été. Oh, je n'ai pas envie de rentrer chez moi. À la maison, ma soeur m'embête et je n'ai nulle part où m'isoler. Ah, c'est bizarre, non, d'être différente, même si on est des jumelles. Ah, mais c'est vrai. Ah, par exemple, quand ma soeur a décidé quelque chose, elle n'écoute plus personne. Ah, moi, par contre, j'ai tendance à faire ce qu'on me dit. Je n'arrive jamais à me décider. Ah, tu vois, on est différente, non. Ah, pourtant, je me rends compte que je devrais essayer de plus lui ressembler sur certains points. Ah, une broche florale. Ah, merci. Et avec ça, je vais être comme ma sœur. Ah, c'est pour toi. Ah, merci encore. Une grande valeur fois 3. Bien. Rien de nouveau ici. Non. Oui. L'essai, il est fermé. Ah oui. C'est à qui d'autre que je devais rendre ma quête? Que je devais rendre des quêtes? Au maquillage d'Okina, d'accord. Vous travaillez le samedi?
Ah oui. Ami à Marie, au lien de Marie. Et avant de vendre tout ça à Daidara, je vais quand même aller chercher ce que j'ai. Et chercher des quêtes pour voir s'il n'y a pas les objets dont j'ai besoin. L'insecte, ce sera en soirée. Rien ici. Très bien. Bizarre qu'il n'y ait pas trop de musique. Et si on va faire travailler la machine à gacha, le gachapon, pour avoir la belle figurine. J'ai besoin de faire une pause, je veux aller à la plage, mais si je bosse dur pour être employé à temps plein, je pourrais peut-être travailler dans une grande ville. C'est dur de trouver un équilibre entre le travail et la vie privée. Alors tu as trouvé ma tenue? Montrez votre costume de gentleman. Oui, c'est ça. Ah, c'est ravissant. Ça tira comme un gant d'ici 5 ou 6 ans. C'est parfait. Merci beaucoup. Ah oui, tiens, c'est pour toi. Trois ajouts royales. Faut que je fasse attention à ne pas froisser ou salir mes vêtements. Et les garçons devraient prendre mieux soin de leur peau. Est-ce qu'il y a de nouveaux costumes? Non, j'ai presque 1 million d'yens. Surtout crafter les personas aussi avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que c'est bien les poupées? Et je vais continuer d'essayer. Toujours plus. Je vais rendre riche le cinéma. Ah, elle commence à la maîtriser, c'est bien. Bien, des objets, j'en obtiens beaucoup plus que d'habitude. Tiens donc. Je peux y jouer longtemps, j'ai de la chance. Sans avoir cerné les rouages de la machine, vous devriez pouvoir attraper le gros lot. Ouais, sauf que j'ai fait trop d'essais. En tout cas, j'ai rendu mes quêtes. Je vais faire des personas. Sauvegarde, la chambre elle est là. Déjà, donnons les cartes. Je vais la racheter celle-ci. Quoique je sais plus si j'ai ce qui est physique déjà sur. Sur les Anagi. J'ai dérobat physique qui double l'esquive contre les attaques physiques. Elle coûte cher, mais je vais l'acheter à la carte. Je vais la mettre en place tout de suite avant d'oublier. Maintenant, on va voir ce que ça fait.
triple esquive contre l'attaque physique. Bah voilà. C'est meilleur. Ah, je peux voir les capacités. Rien, mais il y a changement de compétences. Je suis niveau 44. Ça va fusionner, c'est sûr. Ferrothrust. Bah vas-y. Hein. La glace. Non, pas essor 2. Oui, je peux en faire des tas des personas. 10. Ou 10. Qui envoie le feu, c'est intéressant. C'est bien. Un ennemi à tous les ennemis. Pas frappe herculéenne. Le corbeau. Pourquoi pas? Dans le 3, c'était la persona ultime du soleil, je crois. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu m'offres? Boost vent. J'aurais pas dû dire oui. Ah, c'est lui, Gembo. C'est pas le tigre. T'as quoi déjà de base? T'as des bons trucs de base. Pas lui mettre, c'est très bien, mais non. Ça. T'as le moucheron qui est entré. Avec sa chaleur, ça fait le moucheron. Ouais, sur le dos d'une tortue. Ok.
Très bien. Non. Génération 2, c'est très bien. À ce niveau-là, du moins. Okuninushi. Vas-y. Table au vent. De mettre ça. Pourquoi pas? Des kunda, ah, c'est la défense. Il me semble. Si je ne me trompe pas. Triglav. Qui c'est Triglav? Oh. J'avais jamais vu. Faible à la foudre. Résiste au physique. Mettre plein de choses. Ah non, ça annule les baisses de stats des Kunda. Tant pis pour les sorts. Hein. Non, certainement pas. Ça, tu le changes pas. Bon, moutarde, bordel, je viens de voir le nom de l'attaque. Au secours. Gaz moutarde, c'est extrêmement dangereux. Bon, bah, la mort. Bon. Ah, c'est lui! Ah oui, niveau 46. Ah, oui, j'ai pas vu. Confusion de personnes, il me reste combien? Deux. Effectivement. J'ai gagné quelques pourcents, je suis bientôt à la moitié. Le battleur, j'en ai pas besoin. La papesse non plus, l'impératrice non plus, l'empereur. Non, Dojima, c'est le pape. L'amoureux sera sûrement enrissé. Enfin non, c'est pas que c'est sûrement, c'est que j'ai déverrouillé le lien. La justice, c'est Nanako, donc oui. L'ermite, je sais pas qui c'est. La roue de la fortune, c'est... mince. Plus qui c'est la roue de la fortune. Est-ce que je l'ai au moins déverrouillé? Ah, l'empereur c'est Kanji, voilà. Ah, l'ermite c'est le renard, c'est vrai. Ah non, j'ai pas déverrouillé la roue de la fortune. Ce qui me semblait, ça me dit rien. La force, oui, j'en avoir besoin. Le pendu, je sais pas qui c'est, donc non. La mort non plus. La tempérance, oui. Le diable, je l'ai pas. La maison Dieu non plus. L'étoile. Fallait l'étoile. La lune, oui. Le soleil aussi. Le bouffon surtout, oui.
et le lion. Il doit me rester un petit peu de place, je pense. Pile une. Par contre, le soleil, c'est Yumi, c'est le club de théâtre. Mais l'étoile... Ah, l'étoile, c'était dit. J'avais pas besoin d'invoquer une personne de l'étoile. C'est parti pour continuer des fusions. Ah, le plaisir. Par niveau. Le plaisir d'entendre ce bruit horrible. Je vérifie pour être sûr qu'il n'y en ait pas en bas. Que je n'ai pas. Non. C'est bon. Oui, il me perce le tapin. Ah, je ne le connais pas, lui. Ou elle. Olron. Ou Alraon. Alrun. Je sais pas. Olron. Faible au vent. C'est une L, très bien. Paisor. Et long de tout descendre. Stylé. Le buisson. Avec la corde là pour protéger les sanctuaires ou pour les purifier, je sais plus. Table au feu. Mais bah tu peux. Est-ce qu'on peut le faire sur soi-même? Ouais, je vais pas lui mettre mur rouge. Itoko Tonushi. Ah, il va en prendre le niveau. Place de ça. Non. Pas Otosuku Kaja. Hors de question. Hanuman. Il y a Coupissant, Akunda et Rekarm. Il a Rekarm, c'est bien ça. J'ai mis les deux sur l'autre, merde, je crois. Ah, les dégâts physiques moyens. C'est intéressant. Ça, pour l'instant, j'ai aucune fusion qui a raté. Tiens, il était plus gris sur la miniature, il est plus doré. D'électricité. Ah, je me suis raté. J'aurais pu avoir mieux.
Enfin, j'aurais pu surtout ne pas accepter qu'il change la compétence. Non, restant sous feu. Ah ben voilà, ça c'est bien, Guilao. Et je ne peux plus crafter de persona. Le chariot, je peux l'enlever. Je peux rien faire avec Triglav. Mais le problème, c'est qu'il me manque un niveau. Quarante-cinq %, ça va. Je pourrais gagner un peu plus de 10%. Je l'ai déjà. Mon attention n'est pas ça. Lui aussi, je l'ai déjà. Oui. Ouais, je l'ai déjà. L'étoile, il n'y a pas besoin, la lune, oui. Le soleil aussi. Le bouffon aussi. Et le lion aussi. Normalement, j'ai plus de place. Voilà, je peux faire encore des personas. Heureusement que j'ai mis le boost d'argent, sinon je serais pas capable de faire autant de personnages. J'arriverai très vite à court de yens. Oh, c'est le Oni. Il ressemble à un Oni. Attaque du groupe. Attaque d'un allié. Ben, attaque du groupe, je préférerais. De feu. Ah oui, d'accord, donc les dégâts physiques à tous les ennemis, mais là j'ai 2-3 fois un ennemi. Et non. Surtout pas SOR 2, il y en a hors de question. Je peux avoir une personne qui monte de niveau sans les utiliser, c'est très bien. Très utile. La succube. La sitar, la succube. Elle est faible à la lumière. Ça me va. Non, pas contre-offensive. Et Gabriel. Faible aux ténèbres.
Débile tous les ennemis, ah oui. Très pratique ça. Par contre, Gabriel, sitôt, ça me surprend. Gabriel, normalement, c'est pas sitôt. Quoique je suis bientôt niveau 50. Et sort d'eux. C'est comme dans Persona 3, j'avais mes guides là en début de jeu. J'étais même pas au troisième boss. Ah, je vais me retrouver à court de place. Bientôt la moitié, bientôt le trophée de la moitié. Gabriel, c'est pas la justice? Non, visiblement non. J'ai perdu 400 000 yens. J'avais dit de toute façon que ça coûtait cher. Pardon. Ouf. Le pollen. Je sais même pas si c'est le pollen, c'est juste moi qui éternue. Il va me manquer une place pour prendre lui. Ah non. Surprenant ça, tiens. Ah non, j'ai pile la place. L'amoureux, faudra l'enlever de toute façon si je peux pas faire de fusion. Pareil pour l'impératrice. Et pareil pour l'étoile. Est-ce que j'en aurais pris en double tout à l'heure? La VOD de fusion de Persona, c'est génial. Enfin, moi je trouve ça bien. Mais c'est pas dit que tout le monde aime ça. Vers Clotho. Et uniquement Clotho. Voir si je peux pas mettre des personnages dont j'ai pas besoin, comme l'étoile. Je peux pas mettre les deux en même temps. Clotho qui était dans la roue de la fortune, il me semble, dans le 3. Il n'y a pas de faiblesse. C'est quoi, me tu dis? C'est si loin du silence, d'accord. Ça peut être bien. Elle a tous les ennemis, hein. J'ai enlevé des jeux énergisants, je vais lui mettre les deux. Si, j'aurais dû dire oui pour voir ce que ça faisait. D'ailleurs, le VOD, t'as combien de temps? 34 minutes. Très bien, j'ai fait 20 minutes, plus de 20 minutes de craft de Persona. Tout va bien.
Force le soleil, tempérance lune bouffon. Ouais, je l'ai, Izanagi. Je suis pas attentif, j'arrive pas à retenir ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Je sais que je t'ai pas vu. Oh, je t'ai vu, hein. Ouais, c'est ça. Je t'ai vu. Lion, par contre, je l'ai pas vu. Ah si. Mais en soi, j'ai tout. Ouais. Je peux juste enlever l'impératrice et l'étoile. Et Cloto. Donc j'aurai 3 places supplémentaires. Dernière vérification. C'est bon, je peux plus crafter de persona. T'es de quelle arcane du coup, toi t'es l'impératrice. Malheureusement j'ai pas besoin de toi. Toi non plus. Toi oui. Toi aussi. Toi aussi. Si, toi non, toi oui, et toi oui. Daidara, maintenant lui donner tous les matériaux. Voilà, plein de choses, plein de nouvelles armes. Visiblement beaucoup. Même des nouveaux accessoires. Hashimaki enfant. Pas de chance de subir débilitation. Pas mal là. Moi je par contre qu'on te dise pas combien tu en possèdes. C'est mieux que ce qu'elle a actuellement. Non. Non plus. Je vais monter mon attaque à 40 points de plus. Épée qui vous donne l'impression de pouvoir faire du chemin. De facture classique sans artifice. Avant de lui acheter des armes, je vais surtout échanger des objets. Un Shiroku le soir. Ce qui m'évitera d'acheter des objets pour rien. Donc le renard c'était le vieux. Il faut que je fasse de la pêche, mais bon. Faire le lien de Marie. Tu es venu. Avant de partir retrouver mes souvenirs, il y a un endroit où j'aimerais aller. J'ai envie de mettre un peu d'ambiance, ça ne te dérange pas? Je dirais que Marie a envie d'aller quelque part aujourd'hui. Allez, vas-y. Excellent. Allons-y. Ah, elle est contente, tant mieux. Allez, on se dépêche, emmène-moi faire un tour. Décidé d'emmener Marie faire un tour. Ok,
ces commerçants, Sozai Daigaku, devant l'insistance de Marie, est venu manger des brochettes de viande. Tiens, est-ce le streamer et Marie? Ah, comment on se retrouve? Yo! Mais Senpai, qu'est-ce que tu fais là? Ah d'accord, c'est la rue dont tout le monde est là. Oh! Hey, c'est pas juste. Vous vous retrouvez tous sans moi. Vous auriez pu m'appeler. Tout le monde semble réuni. Passez un bon moment avec vos amis, y compris Marie. Well, d'accord, c'était un lien dans le vide. C'était pour faire augmenter le lien. Qu'est-ce qui rend Nanako si contente? C'est parce qu'il y a son serment. Aller chercher des papillons déjà. Enfin, des papillons, des insectes au sanctuaire. Vérifier qu'il n'y a rien en pleine nuit en termes de quête. Et continuer tout simplement les petites activités nocturnes. Pas meilleur. J'en ai déjà un. Ah, ça c'est meilleur. Son formidable tissu protège les UV contre physique faible. Mais là j'ai pas tout ce qu'il faut. Des pierres échangées contre des poissons. Le premier était Inaba. Il y a un festival au sanctuaire et les feux d'artifice. J'ai l'autre fois avec l'homme que je fréquentais. Le passé a long de vous revenir en pleine figure. Vous devriez te créer un souvenir d'été inoubliable avec moi. Oh, je te taquine. Mais pense à te créer de beaux souvenirs cet été. T'es idiot d'espérer autre chose. Si tu as des miettes de pain, et puis zut, je ferai une exception pour toi aujourd'hui. Ah, il m'a quand même donné des miettes de pain. Ça alors. Voilà. Ah, c'était pour moi la pancarte de bus. Oh, mince. Maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier pour les autres. Que j'ai pas de pierre à échanger pour les poissons. Ah, il est fermé aujourd'hui. Action le sanctuaire, essayer d'avoir des insectes pour le poisson de la mer, le gardien de la mer. Allez. Oh, un poil trop tôt. Du coup, non, je vais pas avoir ce que je cherche. Ah non, j'ai rien eu. Je charge la sauvegarde. Hein. Je tiens à faire mon lancer parfait. Je veux mon parasol. Hop. Non, pas personne. Ah, plus de rage avec chance élevée. J'aurais dû l'essayer, cette arme. Moi, je pensais que c'était pour Kanji, une pancarte.
Moi, si je me rate, je recharge pas, tant pis. Hein. Voilà, parfait. Ah, j'ai pas eu le scarabée bijou. Tant pis, pas d'appât à poisson. Est-ce qu'il y a une quête ici? Non, y a rien. Lecture, il faut que je lise des livres. J'ai aussi des maquettes à faire, trop de choses à faire dans la maison. Y a pas le téléachat. Y a pas le téléachat. Alors quel livre, sur quel livre j'étais? Comptez vos légumes un jour plus tôt. Ah, j'avais fini de lire mes bouquins. Ah, fini. Ça c'est pour les jobs. Ah, il me restait ceux-là. En vrai, les légumes, c'est pas mal. Commencez à lire Jardin privé. Ce livre pour jardinier en herbe regorge de trucs et astuces pour entretenir son petit paradis perso. Vous salivez rien qu'en pensant aux délicieux légumes que vous pourriez vous faire, que vous pourriez faire pousser. Ça donne envie. Condamné à attendre que la police passe à l'action. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ah, voilà le téléachat. Qu'est-ce qu'il y a au téléachat? Manekine, quoi, c'est un fameux chat qui porte chance. Je vais prendre l'accessoire. Hein. Peut-être qu'on ne peut pas l'avoir autrement. Voilà. Combien de temps les légumes? 6 jours. Y a-t-il quelque chose dans le frigo? Non. Est-ce qu'il y a un lien à faire de... qui m'intéresse, du moins? Toi, est-ce que tu vends des plants de tomates? Non. Bon, elle est toujours là à se plaindre que sa belle-mère ne mange pas ses plats. Déjà, le gachapon. Enfin, plutôt, c'est plutôt un nouveau catcher qu'un gachapon. Allez, je vais tout épuiser. Enfin, je vais essayer. J'ai pas de chance. Attends, mon book a encore crashé. Book. Ah ben voilà, je l'ai eu. Ah non, il a pas crashé, il est tombé en fin de batterie. Autant pour moi, c'est différent. Pas surveiller la batterie. Ouais. Bien, je vais pouvoir la mettre sur mon étagère. Il ne pourra plus qu'à attendre la fin août pour avoir le prochain prix. Donc c'est pas prêt d'arriver puisque c'est que demain le mois d'août. Pas de quête. Invalide. Voilà. Y a-t-il des quêtes? Mais dimanche, je travaille pas le dimanche. Non. Il y a encore le lien de Marie, donc je pense que je vais faire le lien de Marie.
Oui, les armes pour les personnages, j'avais dit. C'est moins bon. C'est meilleur. Non. D'accord, si ça met directement là. C'est moins bon, donc non. La plaque à photons. Ça montre l'attaque à 172 et ça à 162. Bah vas-y. Non. La collection. C'est meilleur. Voilà. Est-ce que tu as une quête? J'ai l'impression que tu as une volonté de faire ces temps-ci. C'est pas forcément un mal, mais tu me fais penser à un général de la période Sengoku. T'as pas intérêt à te servir de mon art pour la violence. Non, y'a rien à dire. De quête au sanctuaire non plus. Il va falloir le farmer au bout d'un moment en rechargeant la sauvegarde, le grillon du soir là, pour le poisson de la mer là. Parce que sinon à force, c'est juste y passer 3 mois et essayer d'avoir un appât. M'étonnerait qu'il y ait une quête à Junas, mais c'est ton. Jamais, non. Ouais, toujours le vieux qui demande le poisson, mais je peux pas le pêcher, j'ai pas la pâte pour pêcher le poisson. Et le chat il accepte pas les poissons de la mer. Qu'est-ce qu'elle fait toute seule la fillette? Je regarde les nuages. Ah, je me demande où va celui qui se détache des autres. On se sent un peu seul quand on est différent. Ah, pas vrai? C'est valable, c'est pertinent. Ah bah du coup, lien de Marie. Sauvegarde évidemment avant. Histoire que j'ai de bonnes réponses. Enfin, que j'essaye surtout d'en avoir. You're late. Oh, voilà. Si on est quelque part, tu comptes toujours m'aider à me rappeler, pas vrai? Mais promis à Marie de l'aider à retrouver la mémoire, comme vous possédez, oui, blabla. Votre lien avec Marie va s'approfondir. Oui, je passe la journée. Let's go. Oui, allons-y, je vais vite retrouver mes souvenirs. Marie paraît pressée. Je vais l'emmener quelque part où elle pourra se calmer. Où? La berge de la Samegawa. Marie vous a pratiquement traîné jusqu'ici. Pour ma mémoire, qu'est-ce que je devrais faire selon toi? Les pistes? Non, aucune. Comme je te l'ai dit, tout ce que je sais, c'est que ce truc m'appartient. Quel truc? Qu'est-ce que c'est? Marie vous montre à nouveau son peigne en bambou. Ah oui, le peigne! J'avais oublié son existence. Si tu te souviens bien, je t'en ai parlé quand j'ai commencé à rechercher mes souvenirs. Est-ce que ça peut m'aider? En bambou? C'est quoi ça? C'est rare? Ressemble pas à ceux que j'ai vus chez Junès. Ils ont rien à voir avec ça. Pour une fois, Marie vous paraît vivement intéressée. Pour une fois, j'ai donné une bonne réponse. Il a l'air plus vieux que ça. Tu connais des magasins qui pourraient vendre ce genre de trucs? Quel genre de boutique ici pourrait vendre de vieux peignes dans ce genre? En vrai, la mercerie. Que le tofu, c'est la nourriture, là. Dans Rokyo Tofu, ils vendent de la nourriture, je crois. Je veux dire la mercerie. Vous vous souvenez que la mère de Kanji tient une mercerie? Il en saura peut-être plus sur ce vieux peigne en bambou. Pas la Marie de la mercerie Tatsumi. C'est là qu'habite le vieux machin, plutôt surprenant. Let's go.
Eh bien, allons-y dans le quartier commerçant, c'est ça? On décide d'aller à la mercerie Tatsumi avec Marie. Ah tiens, ils sont là. Yo. Bien, oh, senpai. Oh, senpai. Senpai, quelle coïncidence. Tiens, ah, Marie, tu es là aussi. Huh? Hein? Attendez, ne me dites pas que c'est un rencard. Il y a des choses à faire. Ne me fais pas ce genre de frayeur. Kanji, senpai veut te dire un mot. Problème? This. C'est ce que c'est? Dis-moi tout ce que tu peux. Absolument tout. Le truc, ben, c'est un peigne, il a pas l'air tout récent. Un peigne? Il n'a pas l'air pratique à l'utiliser. Il a vu sa forme. Mais qu'est-ce que tu veux savoir au juste? Tu veux que je te dise d'où il vient? Je connais pas grand-chose, mais... Hé, hey, maman, tu peux venir? Oh! Eh oui, la mère de Kanji en saura peut-être plus. Oui, oui, je suis Ilan, crie passif. Oh! Oh bonjour, ça fait un moment que je ne t'avais pas vu. Et voici une autre des amies de Kanji. Elle voudrait en savoir plus sur ce peigne. Tu peux l'aider, maman? Un peigne? Ah, fais-moi voir. Il est très ancien. Je suis navré, mais nous ne vendons rien de ce style. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? N'importe quoi. Je n'ai jamais vu un peigne de cette forme. Ça ne doit pas être pour un usage quotidien. C'est le genre de peigne qu'on met dans les cheveux de manière décorative. Il devrait peut-être demander dans un musée ou une galerie d'art, plutôt que dans une mercerie. Un musée? Il est si rare que ça? Ça, je ne sais. Mais ce n'est certainement pas le genre d'objet qu'on vend en magasin. Bah si on le vend pas, comment on est censé le trouver alors? Vous êtes pas la vieille. Ne parle pas comme ça à ta mère. Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus, mais je n'ai jamais rien vu de ce genre. Pourquoi j'ai ce truc? On me l'aurait donné? J'en suis pas sûr. Il est rare d'offrir un peigne en cadeau. Dans les contes anciens, le peigne est souvent présenté comme un cadeau empoisonné ou un objet de discorde. On dit que le peigne attire le malheur et séparation. Enfin, de nos jours, ces vieux mythes se perdent. Je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas tout ça. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que ça me rappelle des histoires. Madame Tatsumi, vous êtes là? Je peux vous parler? J'arrive. Un instant, s'il vous plaît. Et Kanji, je te laisse t'occuper de nos invités. Je veux parler avec une cliente. Faites ici comme chez vous. Mystérieux. Poison, discorde, ouais, sans doute pas le bon signal pour un cadeau. Des séparations, je ne savais pas que les peignes portaient malheur à ce point. Séparation. Marie, est-ce que ça va? Tu as mal à la tête? Ça va aller, pose-toi un peu, vas-y. L'âge de Marie se tord. C'est pas... Mais il y a quelque chose. Ah, c'est parti, j'arrive pas à me souvenir. Problématique tout ça. Quelque chose m'est revenu en tête. J'étais à deux doigts de me souvenir. Non, il paraît contrarié. T'arrives pas à te souvenir, y a rien qui te revient à propos de ce peigne. Attends, ça se trouve, il n'est pas à toi. N'en faites pas pour ça, c'est mon problème. C'est pas un peigne ordinaire, hein? De quoi elle a parlé? Un musée? Une galerie d'art? Je me souviendrai peut-être de quelque chose dans un de ces endroits. Tu vas m'aider. C'est que Marie vous fait confiance. Elle est lourde en 6. Tu es fatigué, je vais rentrer. Bon, continue. Enfin, ça plus tard. Et qu'est-ce qu'il lui prend? Marie est bien mystérieuse. Senpai, Marie est déjà partie.